Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume, sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur et un soulagement. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat, il y a bien longtemps, ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie, en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule nous survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort, il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout, elle règnera encore après ma mort. Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Tu peux prendre congé. Bien, sire. Votre Majesté, le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite. Et ce nom, Ganondorf, il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Oh. Il est inutile de t'inquiéter. Très bien. Thank you.
que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Oh, des souvenirs dans un objet? Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh! Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Oh. Ai-je vu juste? Mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Oh, Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant, en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Ha 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 ha.